continuons avec un tonton que nous apprécions. On va dire tonton Frotto. Il arrive, tonton Frotto. Chers enfants, il y a longtemps, très longtemps, le soleil avait épousé la lune et ils avaient fait de très beaux enfants qui sont au ciel. Qui sont ces enfants-là? Ce sont les étoiles. Le coq avait des dents, des longues dents. Il pouvait même broyer les os d'un éléphant. Ratiti, vous répondez, ratoto. Ratiti. Ratoto. Ratiti. Ratoto. Un jour, Dieu, Lagon, Allah, Nana Nyamia était dans sa chaise longue après avoir travaillé pendant 7 jours. Ce jour-là, il se reposait la nuit. Quand il entend dans sa cour, on veut pas, on veut pas, on veut pas. Il sort, il allume sa grosse lampe. Qu'est-ce qu'il voit dans sa cour? Beaucoup d'habitants. Ratiti, ratiti. Vous savez qui sont ces habitants-là? Ce sont les mots du dictionnaire. Des milliers de mots du dictionnaire qui sont venus chez lui. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous voulez? Personne ne pouvait parler. Parce que pour certains, c'était pour la première fois qu'ils voient bon Dieu de leurs yeux. Celui qui a eu le courage, c'était le caméléon. Et il est parti. Il a commencé à trembler. Et il dit, Dieu, 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 depuis un certain temps, tous les êtres que vous avez créés ont des présidents, ont des rois, ont des chefs. Mais nous, nous n'avons pas de chef. Nous sommes venus te voir pour nous trouver un chef. Hier, feu dit il veut être chef. Quand il a commencé à venir au milieu de nous, il a commencé à nous brûler partout. On dit on ne veut pas de lui. Après, pluie dit, je suis chef. Ah, quand il a commencé à pleuvoir, des inondations partout. On dit, on ne veut pas de pluie. Après, c'est vent. Là, c'était grave. Le vent a commencé à tout soulever. C'est pourquoi nous sommes là. Ratiti. Ratoto. Ça, c'est un petit problème. Vous voulez vraiment un président? Vous voulez un chef? Oui. Et regarde dans la foule. Qui je vois. Est-ce que Alphabet est là? Oui, Alphabet, je suis là. Oui, Alphabet, je suis là. Tu as combien d'enfants? J'ai 26. 26. Donne-moi 4 de tes enfants. Bon. P, passe ici. I, passe ici. A, passe ici. X, passe ici. Combien d'enfants? 4. Combien d'enfants? 4. Alors, la question que je vais vous poser, avec ces 4 enfants qui sont ces 4 lettres, quel mot nous allons former et ce mot sera le président de tous les mots? Ah, pour y répondre, on appelle Kudu Chris. Kudu Chris. Soufou Grâce et Kwadio Eunice. J'ai 3 questions à poser. Avec ces 4 lettres, allez chez tonton Frotto. Vous allez former un mot qui sera le président de tous les mots. Qui répond à la première question? C'est quel mot? Paix. C'est le mot paix. Est-ce qu'on peut l'applaudir très, 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 très fort? Écoutez cette phrase. La paix est n'est pas un vain mot, c'est un comportement. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Qui a prononcé cette phrase pour la première fois? Nana ou Félix ou Fouébouani. Est-ce qu'on peut applaudir très, très, très fort? Quand il y a la paix, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vivre en harmonie. On peut vivre en harmonie. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On peut aller à l'école. On peut aller à l'école. Quand il y a la paix, on peut aller à l'école. Alors, chers enfants, la paix est une denrée rare. C'est une nourriture que vous avez partout, mais dans votre cœur. Alors, quant à moi, je vais partir très très loin dans les montagnes pour une autre histoire. Je vous demande de faire la paix entre vous.
La paix partout, la paix à l'école. Ici, commencez à vous embrasser. À gauche, à droite, devant, derrière. Faites la paix. On fait à faites tout. La paix. Faites la voilà. paix. Alors, chers enfants. Naomi. Oui, alors, Pépé. Tata, merci, Naomi, les amis. Je vais te laisser, mes enfants. C'est bon, les amis. Oui. Je vais te laisser, mes enfants. Tout ça. Prends soin de mes enfants. Merci. Car ils t'adorent. Mais très, regarde, très, ils sont très, en train encore de oui. s'embrasser. C'est alors, bon. La paix. On arrête alors, de faire la paix. Alors, c'est bon. Ratiti. Ratoto. Ratiti. Est-ce qu'on peut applaudir bien prochaine. Fort pour tonton Frotomougou? Alors, les amis, on doit faire la paix à quel moment? Tous les... Jours. Si quelqu'un nous tape, est-ce qu'on doit se venger? Non. On doit faire la paix. Voilà. Avec papa et maman, est-ce qu'on doit faire des histoires? Non. Avec nos frères et sœurs, est-ce qu'on doit faire des histoires? Non. Partout où nous sommes, on doit faire la paix. Si tu fais la paix tous les jours, est-ce que tu peux t'applaudir bien fort? Merci.